Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment tenir et tourner le volant. On parlera également du positionnement du regard, comment placer ses yeux pour avoir une bonne trajectoire et éviter les embûches et les problèmes en conduite. Donc c'est un cours pour les débutants, c'est ce qu'on fait en général en première heure de conduite. Et si vous découvrez la chaîne grâce à cette vidéo, je m'appelle Fab et je suis moniteur depuis 2005. Si vous prenez des heures de conduite en ce moment et que vous vous préparez tout doucement mais sûrement pour ce permis de conduire, pour cet examen, restez bien attentifs tout le long de la vidéo et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu ou si elle vous a aidé. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Ok, avant tout, on va parler du regard. Comment placer ses yeux pour avoir une bonne trajectoire et éviter les problèmes, éviter les accidents, les embûches. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde vers la droite, la voiture va vers la droite. Quand on regarde vers la gauche, la voiture va vers la gauche. À partir du moment où on est en mouvement, la voiture va vers là où on regarde. Bon, l'inconvénient, vous l'avez compris, c'est que si on a un regard qui est trop fixe sur les côtés, si on regarde par exemple les voitures qui arrivent en face de nous, les poids lourds, je sais que les poids lourds ça fait flipper quand ils arrivent en face, ou si par exemple on veut dépasser un cycliste mais qu'on met son attention, son regard vers ce cycliste là, à ce moment là on va se diriger vers là où on regarde. C'est un inconvénient quand le regard est pas bien placé, mais par contre si on regarde bien là où on veut aller et loin devant, à ce moment là la trajectoire sera tout de suite bien meilleure et on aura tendance à se diriger vers là où on regarde. Donc déjà ce qu'on retient, c'est qu'on essaye de regarder en conduite là où on souhaite aller, là où on sera dans le futur dans 4, 5, 6, 10 secondes, loin devant. Et l'avantage quand on regarde loin, c'est qu'on peut également voir ce qui se passe près de nous, l'un n'empêche pas l'autre. Par contre, l'inverse ne marche pas. Si on regarde près, les yeux là collés au capot ou sur les 5-10 mètres qui sont devant la voiture, à partir du moment où on est en mouvement et qu'on regarde trop près, ça sera impossible de voir loin, ce sera impossible de prévoir, ce sera impossible d'avoir une bonne trajectoire. Il va y avoir des écarts de trajectoire, obligatoirement. Et s'il se passe quelque chose devant nous, ben on ne pourra pas l'anticiper, on ne pourra pas réagir comme il faut. Donc ça devient dangereux. Alors je sais bien qu'en conduite, en tant qu'élève, souvent on a tendance à croire que l'on regarde loin. Le problème du regard, c'est qu'on ne peut pas le comparer à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas prendre les yeux de votre moniteur ou mes yeux à moi pour avoir un aperçu de ce que la personne à côté voit. Ça, on ne peut pas le faire. Donc, comme on manque de comparaison, on a toujours tendance à penser qu'effectivement, oh, c'est bon, pas de souci, je regarde loin. En vérité, c'est faux. Si vous apprenez à conduire, et surtout si vous êtes super débutant, votre regard, il ne va pas être super loin. Donc, soyez dans l'effort visuel au niveau du zoom. Cherchez ce qui se passe au loin, soyez dans l'effort. Bon, ensuite, au niveau du regard, forcément, on ne pourra pas se contenter de regarder loin devant et vers là où on veut aller. C'est impossible. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'on n'est pas dans le désert. Il va se passer plein de choses autour de vous quand vous conduisez. Même si vous êtes débutant et que vous êtes dans des endroits où il n'y a pas trop de circulation, dans tous les cas, il va se passer des choses. Il va y avoir des intersections, peut-être des piétons, des passages piétons, des cyclistes, des obstacles à dépasser. Il va y avoir tout un tas de choses, sans parler des rétroviseurs et des angles morts. Donc, en plus de regarder loin devant là où on veut aller pour avoir une bonne trajectoire, on essaye d'avoir un regard mobile. On va bouger les yeux au maximum. Exactement la même chose quand on zoome devant. On va bouger les yeux sur les côtés. Gauche, devant, droite, devant, gauche, devant, droite, devant. On peut également rajouter le rétro central en petit coup d'œil pour les débutants, ou le rétro central, les rétro extérieurs quand il y en a besoin, et des petits coups d'œil dans les angles morts s'il y en a besoin. Mais le tout, c'est que le regard soit le plus mobile possible et donc rapide. Et oui, parce que souvenez-vous, la voiture va là où on regarde. Donc si je mets les yeux dans le rétro à droite pendant, par exemple, 2 ou 3 secondes, c'est énorme. Hop, déjà, je vais m'écarter vers la droite. Et en plus, quand je vais remettre les yeux sur la route, 2 secondes, j'aurai fait énormément de mètres. Si, par exemple, je roule à 50 km/h, je fais le chiffre des dizaines, 5 multiplié par 3, ça fait 15 mètres par seconde. Donc, si je jette un coup d'œil là, non, pardon, si je regarde là pendant 2 secondes, 1 seconde, 2 secondes, quand je remets les yeux sur la route, si je roule, par exemple, à 50 km/h, je prends le chiffre des dizaines, 50, donc 5, je le multiplie par 3, ça fait 15 mètres par seconde. Quand je remets les yeux sur la route après avoir regardé mon rétroviseur à droite pendant 2 secondes, j'ai fait approximativement 30 mètres. Donc 30 mètres, c'est énorme, il peut se passer tout un tas de choses. Et inévitablement, j'aurais fait un écart de trajectoire. C'est obligatoire, je serais parti vers la droite. Donc très important, on garde le regard loin devant, les yeux très mobiles, on met le maximum de coups d'œil côté gauche, côté droit, les rétroviseurs, les angles morts quand il y en a besoin. Donc regard rapide, loin devant, mobile, et on fait le maximum de zoom sans fixer.
Allez, maintenant, on va voir comment mettre les mains sur le volant. Donc, on va imaginer que le volant est un cadran d'horloge. En ligne droite, on va mettre les mains soit à 10h10, soit à 9h15. En centre-ville, privilégiez plutôt le 10h10. C'est plus dynamique, c'est plus efficace. Et si vous êtes en dehors de l'agglomération, que c'est un peu plus calme, qu'il y a plus de lignes droites, etc., que vous allez rouler plus vite, vous pouvez aller vers du 9h15. Mais dans tous les cas, on ne mettra pas les mains en bas du volant. Donc, soit 9h15, soit 10h10 en ligne droite. Okay, on va éviter d'avoir les mains trop comme ça et trop comme ça aussi. Ça, c'est pas bon. Donc, on va mettre l'axe des bras dans l'axe du volant. On peut même monter les pouces comme ça, pas de souci. On essaye d'être quand même assez souple au niveau des épaules. On ne se crispe pas, on n'accroche pas le volant. On le tient 9h15 ou 10h10. Alors ensuite, quand il va falloir tourner le volant, il va y avoir plusieurs techniques et ces techniques vont dépendre de la situation que l'on va rencontrer. D'une manière générale, au plus on va aller vite et au moins il faudra tourner le volant. Au plus on va aller vite et au moins il faudra tourner le volant. Vous avez compris? Au plus on va aller doucement et au plus il faudra tourner le volant. Et on peut même dire que c'est parce qu'il va falloir beaucoup tourner le volant dans certaines situations que l'on va aller assez doucement, voire super doucement. Ok, donc si j'ai quand même une certaine vitesse et que ça tourne très peu, ben, je vais tout simplement tourner mon volant sans déplacer mes mains. C'est la technique la plus simple, je tourne sans déplacer les mains. Si ça tourne un peu plus et que ma vitesse est déjà un peu plus lente, je veux éviter absolument d'avoir les mains en bas et donc je veux éviter absolument de faire ça. Ouais, là c'est pas bon, je suis coincé et là c'est pas bon non plus. Donc pour éviter de faire ça, je vais faire ce qu'on appelle un tiré-glissé. Je vais monter la main à midi. Et je tire et je glisse. Je monte la main à midi, je tire et je glisse. Le principe, c'est de toujours monter la main du virage. Donc si je vais vers la gauche, je monte la main gauche, je tire et je glisse. Si je vais vers la droite, la main droite va monter, tirer et l'autre va glisser. Comme ça. Ok, après, je ne suis pas obligé de monter toujours tout en haut. Je vais déplacer ma main, la monter légèrement, en fonction de ce que je pense que je vais avoir besoin de tourner par rapport à la situation. Donc si je fais par exemple ça, c'est déjà un tiré-glissé. C'est toujours mieux de faire ça que de faire ça. Hop, mais en bas, on est coincé, c'est pas bon. Voilà, je peux monter un tout petit peu, tirer, puis si jamais j'ai besoin, je peux refaire un petit tiré-glissé, pas de souci. Je peux le faire, allez, on va dire deux fois. Hop, d'accord, sur un enchaînement. Donc je monte toujours la main du virage, la main gauche pour aller à gauche et la main droite pour aller à droite. Ok, donc ça c'est ce qu'on appelle un tiré-glissé. Bon, c'est très bien, le tiré-glissé c'est une super technique, il faut la connaître, il faut la comprendre, il faut l'utiliser, mais vous voyez, j'ai fait qu'un demi-tour de volant et si le volant je dois le tourner à fond, ben, il y a encore un tour complet, il y a un tour et demi, et là il est à fond à gauche, un demi, un tour complet, là les roues sont droites, encore un peu, hop, un tour complet, et encore un demi, et même un peu plus sur cette voiture. Vous voyez le système? Il y a quand même beaucoup d'amplitude sur le volant. Donc, pour éviter de faire ça, ce qui serait beaucoup trop long, beaucoup trop long dans les situations, et on va faire ce qu'on appelle, quand ça tourne beaucoup et que l'allure est plus lente, un chevauchement. Je pars sur ma base de tir et glisser, vers la droite, je monte la main droite. Et si je vois que là, ça ne suffit pas et qu'il faut beaucoup tourner, comme par exemple dans un angle droit ou dans une intersection, quelle qu'elle soit, ou même un petit sens giratoire, peu importe, je vais grouper mes mains et chevaucher. Voilà. Et quand j'ai fini, je replace toujours ma main gauche à gauche, ma main droite à droite. Je ne reste pas comme ça. Ok ? Comme ça. Et vers la gauche, c'est la même chose. Je monte. Et puis comme je vois que ça ne va pas suffire, parce que je vois bien que mon virage est super serré, ou mon intersection est super serrée, c'est un angle droit par exemple, à gauche, hop, et chevauchement. Chevaucher, c'est une main qui remplace l'autre, comme ça, un peu comme si on tirait à la corde. Ok ? Voilà, donc ça c'est les différentes techniques pour tourner le volant. Soit je ne bouge pas, parce que ça tourne très peu et que j'ai quand même une certaine vitesse. Soit je fais un tiré glissé, parce que ma vitesse est un peu plus réduite, et que ça tourne quand même un petit peu devant moi, soit je fais un chevauchement, donc ça c'est la technique qu'on utilise beaucoup dans les centres-villes, parce que ça tourne beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'amplitude sur le volant,
parce que j'ai pas envie d'avoir les mains en bas, parce que je veux pas laisser les mains croisées, je veux pas m'embrouiller avec mes mains, toujours de la mobilité, et parce que notre allure est très lente, donc il faut beaucoup tourner le volant. Sur ce, je vais vous montrer des exemples pour toutes ces techniques, et ensuite, juste après les exemples, on va voir un autre point très important sur le volant, restez attentifs. Allez là, on prend à droite. Donc, angle droit, chevauchement. Je place bien mes yeux, évidemment. Allez, ici on va à gauche. Je fais attention autour de moi, je garde les yeux mobiles. J'envoie les yeux là où je veux aller. Les mains suivent. Le volant revient droit tout seul parce que je prends de la vitesse. Et j'ai utilisé donc le chevauchement pour tourner à 90 degrés à l'angle droit. On va changer de voie. On va prendre la voie de droite. Je décale un petit peu ma main, très léger. Voilà. Ok. Et on va ensuite à droite au bout là-bas. Rétro, rétro, clignot. Derrière, c'est bon. Hop, pied sur le frein. Donc là, je suis en deuxième. Les yeux, le volant, le retour de volant, angle droit, chevauchement, comme tout à l'heure. Ensuite, on va à droite encore au bout. Voilà, je prépare dès l'arrêt. Vous avez vu? Hop, j'essaie de bien me positionner. Bon, j'avance un peu, on voit rien. Je pense que vous, vous voyez pas non plus. Allez, c'est parti. Et deuxième. Voilà, sur la ligne droite. 10h10, 9h15. Très bien. Là, je tourne à droite. Ok. Voilà, toujours les mains, chevauchement. Petit tir glissé. Ok. Bon, on va monter juste un peu la main pour le virage. On va voir ce que ça donne. Bien fait de mettre le pied sur le frein. Voilà. Tirer glissé. Pareil. Pareil, pareil. Et on va prendre à gauche. Hop, main. Mouvement, regard, rapide. Les yeux, les yeux, les yeux, les yeux. On cherche la fin. On cherche la fin, on cherche la fin. Voilà. Allez, à gauche. Je monte ma main gauche. La voie la plus à droite. Et ça revient tout seul. Hop, deuxième. Voilà. On bouge bien les mains, on bouge bien les yeux. On n'hésite pas, s'il y a besoin, à décaler un petit peu les épaules. Je ne sais pas si vous voyez là, la caméra. Voilà, aller chercher son information, pas rester trop figé sur le siège, trop scotché au siège. Donc là, on part à droite. Hein. Voilà, je monte bien ma main droite. Hop. Voilà. Là, ça va revenir tout seul. Et troisième. Et là, on a pris déjà un petit peu de vitesse. On commence à être à 50 km/h, 60. Si je veux changer de voie, donc je fais attention derrière moi. Vous voyez, j'ai pas besoin de beaucoup tourner le volant. Vous voyez le volant? C'est très léger parce que j'ai de la vitesse. Ouais, je savais qu'il allait faire ça, lui. Quand on pourra, on se remettra à droite. Genre là, par exemple. Derrière, c'est bon. Hop, voilà, très léger. Voilà. Donc évidemment, quand vous roulez à 50, 60, 80, ne faites pas ça sur le volant, ne faites pas un grand geste sur le volant. Sinon, vous allez passer le week-end avec votre moniteur ou votre monitrice à l'hôpital le plus proche. Donc au plus, on va vite. Vous vous rappelez, au moins, on tourne le volant.
Et l'inverse marche aussi. Au plus on va doucement, et au plus il va falloir tourner ce volant à droite. Voilà. Cherche bien du regard la fin. Fin du virage, fin de l'intersection. Je mets des coups d'œil à gauche, à droite. Le plus possible. Sur les intersections, je cherche les piétons, les passages piétons, les cyclistes, les accès sur moi, les rues à droite, les priorités à droite. Posez-vous des questions, bougez vos yeux et vous verrez que vos mains vont bouger autant que bougent vos yeux. Par contre, l'inverse marche aussi. Si vous ne bougez pas vos yeux, vous n'envoyez pas l'information à votre cerveau et vos mains vont rester figées et vous allez faire des super écarts de trajectoire. Ok, donc une fois qu'on a compris comment tenir et tourner le volant, vous avez dû remarquer qu'à certains moments, une fois qu'on a tourné, le volant va revenir droit tout seul. Et puis vous avez dû voir aussi qu'à certains moments, ce n'est pas le cas. Il va falloir le ramener. Alors comment ça se fait qu'à certains moments, le volant revient droit tout seul et puis à d'autres moments, ce n'est pas le cas? Eh bien, le retour de volant, ça s'appelle comme ça, c'est dû à la vitesse. Regardez. Là, je vais partir, je vais prendre à gauche, donc je déplace bien ma main, je tourne en angle droit pour pas couper, le chevauchement, alors je prends pas de vitesse, c'est vraiment fait exprès, là j'ai aucune allure, et on voit que le volant, il bouge pas, ok. Par contre, à partir du moment où je vais prendre de l'allure, hop, le volant est revenu droit tout seul. Alors évidemment, il s'agit pas de lâcher le volant comme j'ai fait là. Là, c'est vraiment pour vous montrer. C'est pas un hold-up, hein, on fait pas ça. Mais on va tourner, chevaucher. Et si on prend un peu de la vitesse, on va laisser revenir tranquillement son volant à l'intérieur de sa main. Ok ? On fait un petit coup à gauche. Et on laisse revenir. D'accord ? Allez, on fait un petit coup. Voilà. Et si on prend de la vitesse, ou si on a déjà de la vitesse, le volant revient droit. On va faire un petit tour pour confirmer tout ça. Hop, là le volant va revenir droit. Ok, alors là je vais mettre la deuxième. Donc là on a déjà un petit peu de vitesse, on va prendre à droite là dans le parking. Les yeux au fond. Et le volant revient droit. On fait attention évidemment aux piétons, mais le volant est bien revenu. Par contre, si je n'ai pas de vitesse, là j'ai contrôlé derrière moi, bon, je tourne, mais ça va pas revenir. Ok, donc il va falloir que je regarde bien là où j'ai envie d'aller et que je remette mes roues droites. Voilà, donc le retour de volant, c'est dû à la vitesse. Allez, encore un petit tour en circulation. Chevauchement. Petit retour dans la paume de la main. Retour dans l'angle droit. Chevauchement. Les yeux. Donc les yeux là où j'ai envie d'aller. Allez, la deuxième. Donc là, on est dans un parking, hein. On va évidemment pas rouler très très vite, mais ça suffit. On va à droite, hein, pour utiliser ce retour de volant. Allez, je m'arrête au stop. Essaye de pas trop faire quand même de hors sujet. Hop là, c'est bon. Donc on fait pas de course sur le stop, hein, évidemment. Pas aujourd'hui, et pas ici. Voilà, le retour de volant. Je vais prendre la voie de gauche. On a un peu de vitesse. Hop là, vous voyez, c'est très important d'avoir de la souplesse. À gauche direction Marseille, souplesse au niveau des bras, des épaules, des mains, les yeux. Et ça revient tout seul. Ok ? Maintenant, il ne vous reste plus qu'à appliquer tout ça dans votre propre conduite, au quotidien, en leçon de conduite. Vous avez toutes les techniques et les démonstrations. À vous de jouer. Parce qu'en vérité, la logique pour l'apprentissage de la conduite et pour l'apprentissage de tout un tas de choses, c'est d'abord avoir une bonne explication,
Ensuite, pourquoi pas une démonstration. En tout cas, en conduite, c'est très important que le moniteur ou le moniteur en ligne démontre la chose bien faite et également les choses à ne pas faire. C'est très important aussi. Et ensuite, on passe à l'application. Explication, démonstration et application. Explication, démonstration, c'est le moniteur en ligne, peu importe le moyen que vous utilisez pour apprendre à conduire. Et ensuite, l'application, bon, ben, c'est à vous de jouer, hein, parce qu'on ne peut pas non plus conduire à votre place. Et c'est très important également d'avoir le pourquoi du comment. C'est vrai, on n'est pas des robots, on ne fait pas juste des gestes comme ça sans réfléchir. Sans le pourquoi, l'apprentissage est beaucoup plus long et beaucoup plus hésitant. Et on rentre souvent dans des situations un peu de stress, de démotivation, de remise en question. Alors que quand on a un bon pourquoi il faut faire les choses de telle manière et pas d'une autre manière, ben tout de suite les choses sont beaucoup plus claires, beaucoup plus logiques et on progresse plus vite. Il faut comprendre également qu'en conduite, c'est normal d'avoir des difficultés sur certains points. Donc la grande majorité des élèves ont des difficultés dans leur apprentissage. C'est tout à fait normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, et ça c'est très important de le comprendre, c'est de rester avec ces difficultés. C'est normal de rater, par exemple, des créneaux pendant une heure ou une demi-heure. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas avoir d'explication et de revenir à la leçon d'après et de faire exactement les mêmes erreurs. C'est comme ça qu'on perd du temps, c'est comme ça qu'on perd l'envie d'apprendre à conduire et c'est comme ça qu'on oublie dans sa tête pourquoi est-ce qu'on a passé la porte de cette auto-école pour dire, tiens, allez, j'ai envie de passer le permis. Voilà. Pourquoi en 2024 et pourquoi pas en 2023, pourquoi pas en 2025, pourquoi pas en 2030? Pourquoi on a passé la porte de cette auto-école et qu'on s'est dit, tiens, allez, la conduite, c'est bon, c'est pour moi. Maintenant, j'en ai marre du bus, je veux mon permis. J'en ai marre des transports en commun, j'en ai marre de marcher, j'en ai marre de galérer sous la pluie, je veux mon permis. Donc, très important de ne pas rester pendant X heures sur ces difficultés, d'où l'importance d'avoir des bonnes explications et des bonnes démonstrations pour ensuite passer à une bonne application. Si vous voulez que je vous en apprenne plus sur les techniques de conduite ou sur l'examen en lui-même, j'ai créé deux formations en ligne. Une sur la conduite, toutes les compétences, et une sur l'examen en lui-même. Les pièges, les techniques, comment être à l'examen, etc. La première sur la conduite est assez longue et très complète. Il y a tout, ça va du volant jusqu'à la fin de la formation, jusqu'à la voie rapide. Et l'autre est un peu plus courte, mais plus précise. Elle est vraiment centrée sur l'examen. Si ça vous intéresse, passez voir le programme. Je vous mets le lien sous la vidéo dans la description. Et si vous vous inscrivez, eh ben, je serai ravi de vous aider à progresser en conduite et à réussir ce fameux permis. Je vous dis à bientôt. Le lien est sous la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.